Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser la recette très gourmande du cake moelleux au chocolat noir et aux amandes. Cette recette est parfaite pour un dessert gourmand, pour le goûter et pourquoi pas pour le petit-déj s'il en reste. Si vous avez peur que le cake soit trop sec, ne fuyez pas. Si vous suivez toutes mes astuces pour les temps de cuisson et les degrés de cuisson, croyez-moi, votre cake sera une pure merveille. C'est vraiment très important de commencer à 180 degrés pendant 10 minutes à peu près, puis de baisser le thermostat à 150 degrés pour que le gâteau gonfle bien et surtout pour qu'il soit super moelleux. D'un point de vue nutritionnel, pour ce gâteau, j'opte pour du chocolat noir qui est quand même beaucoup moins sucré que le chocolat blanc ou le chocolat au lait et j'ai essayé de mettre le moins de sucre possible, mais bon, j'en ai laissé un petit peu parce que la diététique c'est aussi savoir se faire plaisir de temps en temps, mais aussi parce que le sucre va donner une certaine consistance à vos gâteaux. À la fin de cette vidéo, je vous donne plein d'astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de chocolat noir, de la farine blanche et de la levure chimique ou du bicarbonate de sodium, de la poudre d'amande, des œufs, du sucre blanc, sucre roux ou cassonade, du lait entier ou demi-écrémé et du beurre doux ou demi-sel. Et amandes est enfin prêt. Pour adapter cette recette, n'hésitez pas à remplacer les amandes par d'autres fruits oléagineux, noix, noisettes ou pistaches par exemple. J'opte pour du beurre mais vous pouvez bien sûr le remplacer par la même quantité d'huile de tournesol, c'est végétal donc il n'y a pas de cholestérol. Et pour les gourmands, vous pouvez bien sûr réaliser une petite ganache avec de la crème fraîche liquide et du chocolat noir sur le dessus, quelques petites amandes effilées et pourquoi pas des petites feuilles de menthe. Ça sera très gourmand et en plus de ça, c'est très joli. Retrouvez l'intégralité de la recette dans le lien qui s'affiche dans la description juste en dessous. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez également plein d'autres recettes de gâteaux gourmands. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve sur Facebook, Instagram et sur mon blog culinaire recettesansfin.fr pour plus de nouvelles recettes. Bon appétit et à bientôt !